les amis, et bienvenue sur cette capsule. Une capsule pour vous parler encore une fois de procrastination. Vous avez été très nombreux à réagir, donc avec beaucoup d'enthousiasme, aux trois dernières capsules que j'ai faites sur la loi d'attraction. Surtout sur la procrastination. La procrastination, ben, c'est ce qui nous empêche de passer à l'action. La procrastination, c'est ce qui nous mine quand on reste des heures et des journées à regarder sa feuille blanche et à ne pas avancer. Parce que autant à rester à rien faire, autant aller à la piscine, partir en voyage, faire du sport. Il n'y a rien de pire que de passer son temps à rien faire, tout en se blâmant, tout en se culpabilisant, tout en disant qu'on est nul. Vous imaginez l'estime de vous que vous vous créez quand vous êtes en train de rester 4 heures, 5 heures, 6 heures à rien faire et que le soir quand vous couchez, vous apercevez que vous n'avez pas avancé. C'est horrible. Faites autre chose, bougez-vous, mais ne faites pas ça. Alors je vais vous donner les 4 façons de lutter contre la procrastination. S'il y a quelque chose que vous avez du mal à faire, la première chose c'est de l'automatiser. Il faut le rendre automatique, soit par une routine, soit par des outils informatiques. Automatisez le maximum. La deuxième chose, ce que vous ne savez pas faire, que vous intéresse pas, déléguez. Je peux vous dire que moi il y a des choses que j'aime pas faire, l'administration, l'informatisation, je ne suis pas très doué et ça ne m'intéresse pas. Autrement dit, je me suis entouré de personnes compétentes qui le font à ma place. Donc soit vous automatisez, soit vous le déléguez. La troisième chose, il y a des choses, il faut le supprimer. Ce n'est pas la peine de le faire si vous devez rester 6 heures à ne rien faire. Si ce n'est pas important, cultivez les choses importantes, les 20% de choses qui vont créer 80% des résultats dans votre vie. La quatrième chose, c'est d'apprendre à aimer ce que vous faites. Et j'ai pu, sur certains services informatiques, apprendre à aimer faire les choses. Et aujourd'hui, quand je fais des tunnels de vente, maintenant c'est moi qui les fais. Je les ai délégués à un certain moment. Et maintenant, j'ai pris plaisir à le faire. Et ce n'est pas du temps perdu parce que je sais pourquoi je le fais. Donc les 4 choses qu'il faut faire, si vous voulez passer vraiment à un autre niveau, arrêter la procrastination, vous automatisez, vous déléguez, vous supprimez, où vous aimez ce que vous faites, vous prenez des cours et vous apprenez les compétences qu'il vous faut. Voilà, mes amis, les 4 choses qu'il faut faire pour arrêter de procrastiner. Et pour en savoir plus, vous cliquez sous le lien sous cette vidéo. Je vais vous apprendre d'autres techniques pour ne pas procrastiner sur mon application Mental Booster. Mental Booster, et vous allez donner le meilleur. Mental Booster, motivation, application et surtout maîtrise de votre mental. Et je peux vous dire que votre vie ne sera plus jamais la même. L'application est gratuite, c'est sous le lien. Et je vous dis à très bientôt sur Mental Booster.